Détournez-vous du centre. Le discours sur le fait que aujourd'hui il n'y a plus rien qui vaille, c'est un effet c'est parce que vous regardez trop la télévision, pour le dire très simplement. C'est parce que vous regardez le centre. Heureusement, la télé, c'est fini. Hein. Ils sont en train de se casser la gueule. Là, tout le monde regarde Internet de plus en plus, d'année en année, ils se cassent la gueule. Vous avez vu que maintenant, c'est Internet. Regardez bien. Détournez-vous du centre. On est dans une époque qui passe la main à une autre. Internet, ce n'est pas qu'un nouveau médium. Il est aussi le chantier de création. Il n'est pas centré sur un flux de communication à sens unique. Détournez-vous du centre. Émis par un nombre limité d'émetteurs, c'est une forme de communication à deux directions où chacun, en effet, est à la fois récepteur et émetteur. C'est une nouvelle structure qui ne produit pas les mêmes effets que les structures traditionnelles que sont les médias. Le net, il n'est pas un média au sens où on se réapproprie l'expression, devient acteur et non plus simplement spectateur. Et ça, le fait que chacun puisse s'exprimer, est une révolution au moins aussi majeure que la création de l'imprimerie. Sans Internet, pas de gens mieux informés, mieux éclairés, mieux mobilisés. Centre. Internet nous structure à nous faire entendre. Et cela n'est que le début. Détournez-vous du centre. Qu'on ne passe pas par Internet pour faire de la télé, du cinéma. Et que cela n'est que le début. Qu'Internet soit une destination finale. Et je vois encore des gens de temps en temps dans la rue. Non, c'est con, on ne voit plus à la télé. Détournez-vous du centre. J'insiste. Détournez-vous du centre. J'insiste. Nous vivons une révolution dont nous avons encore à peine conscience. Détournez-vous du centre. Benjamin Bayard disait que l'imprimerie a eu comme effet révolutionnaire de permettre au peuple de lire. Et qu'Internet va lui permettre de s'exprimer.